Alors, dans la convention du Clafrica, le ton 1, c'est le ton descendant et ça se transcrit par A1. On le verra tout à l'heure avec le clavier Clafrica. Le ton 2, alors, le ton 1 ou le ton bas se lit A. Le ton 2 se lit A. Le ton 3 ou le ton moyen se lit A. Le ton montant se lit A. Et dans la convention Clafrica, ça s'écrit soit avec 1, 2, soit avec 7. Le ton descendant se lit A et se transcrit à l'aide de 2, 1 ou de 5. Alors, je me résume encore. Le ton 1 se lit A. Le ton 2 se lit A. Le ton 3 se lit A. Alors, en fait, on dit je suis que ta A. 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 Je suis que ta A. 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 Donc, voilà comment est-ce que nous pouvons retenir. C'est une mnémotechnique pour pouvoir retenir la lecture plus facilement. Et le ton 7. 7 en fait, c'est ce A. A. Ce A. Et 5 se lit en fait. I. A. Alors, je reprends encore. Je peux ta A. 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 Sembe. A. Je peux. A. Ti. A. Fenchu. Allons dans le Clafrica pour voir comment ça se passe. Démarrons le logiciel Clafrica. Alors, A1. C'est A. DJ Destor. Macalampe. Macalampe. A1 se lit A. A2 A. A3 A. Alors A. 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 Si je veux écrire E1, ça sera E. E. Ou alors et si je veux écrire par exemple
du U1, ça fait U. E-U c'est E. Et avec un E. E, je pleure. E. Chop Chuzengu, pronom personnel, sujet en langue féfé. Nge, ça veut dire je. O, tu. A, il. Pa, nous. Père, vous. Po, il. Alors, reprenons encore. Nge, o, a, po, père, po. Très bien. Excellent. Évoluons. Maintenant, pronom personnel, complément d'objet. A. Ça, c'est le ton 3. A. Qui veut dire me. Alors, nous allons prendre des exemples tout à l'heure qui vont rendre la chose un peu plus claire. O. Te. Ou alors T apostrophe. I, le, la, L apostrophe. Yo, nous. Yé, vous. Yo, les. Alors, prenons des exemples pour faciliter la tâche. Exemple, fourni. Nge, que, ou alors que. Que, c'est le verbe aimer. Nge, que. O, nge, que, o. Ça veut dire quoi? Je aime te, ou alors toi. Je aime toi. Mais en bon français, on dira je t'aime. Nge kweo. Nge kro. Alors, la liaison donnera nge kro. Nge kro. Ou alors nge kweo. Je t'aime. O kwe. A. Tu aimes me. Alors, en bon français, on dira oui, tu m'aimes. Bravo. O. Que. A. O. Que. A. Tu m'aimes. Tu m'aimes. O. Que. A. A, zap. Zap, c'est le verbe taper ou alors vaincre. A, zap. I. A, zap, i. A, zabi. Alors, il l'a tapé. Il l'a tapé. Le i. C'est le L apostrophe. Il a tapé qui? L apostrophe. Azabwa. Azabi. Azabi.
par feu. Feu, c'est le verbe feu qui veut dire tromper, duper. Par feu. Yé. Ça veut dire nous vous avons trompé. Par feu. Yé. Nous vous avons trompé. Paix. Zap. Ya. Paix, zap, ya. Vous tapez les. En bon français, on dira. Voilà. Zap ici est utilisé comme vaincre. Vous les avez vaincus. Paix, zap, ya. Bravo. Pot. Je, c'est le verbe railler, le verbe se moquer, le verbe rire. Pot. Je. Yo. Ça veut dire quoi? Réfléchissez un instant. Il rit ou il se moquait de nous. Alors, formez ça en bon français. Pour joyeux. Oui. Ils se sont moqués de nous. J'espère que c'est clair. Alors, reprenons encore les pronoms personnels sujet. Ng, o, a, pa, pe, po. Et les pronoms personnels complément a, o, i, yo, ye, yo. Bravo! Alors, retenez toujours qu'il y a une liaison entre le verbe et le pronom personnel complément. Par exemple, zap-i se lira zabi. Que-o se lira que-o. Que-a se lira que-a. 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 Bravo, évoluons. Voyons à présent les pronoms personnels complément d'objet indirect. Ce qu'on venait de voir, c'était les pronoms personnels complément d'objet direct. Pour les compléments d'objet indirect, en fait, on utilise la particule mbu. Mbu a. Ça veut dire à moi. Mbu a. Mbu a. Avec la liaison, ça donne mbua. Mbuo. À toi. Mbui. À lui. Mbipa. À nous. Mbipe, à vous. Mbipo, à eux. Alors, prenons des exemples maintenant pour rendre un peu plus clair. A. Si vous vous souvenez, A, c'était le pronom personnel de la troisième personne, c'est-à-dire il. A, c'est le verbe ha, qui veut dire donner. A, ça veut dire il a donné. A, mbou, a. Qu'est-ce que ça veut dire? Mboua veut dire à moi. Donc, la traduction à Mboua, ça veut dire, oui, vous l'avez deviné, c'est il m'a donné. Il a donné à moi. Il m'a donné à Mboua. Mboua. À Mboua. Il m'a donné. Nge, re. Nge, c'est je. Re, c'est le verbe parler, dire.
C'est le verbe ng qui veut dire parler, dit. Ng, re. Ça veut dire j'ai dit. Mbuo, mbuo, à toi. J'ai dit à toi. En bon français, on dira je t'ai dit. Bravo. Évoluons. Por, la, si, por. Ça veut dire nous. La, si. C'est le verbe nda, si qui veut dire montrer, indiquer. Por, la, si. Ça peut vouloir dire nous avons montré, nous avons indiqué. Alors, por, la, si, mbui. Por, la, si, mbui. Ça veut dire oui, nous lui avons montré. Bravo! Pour les. Pour c'est il. Les, c'est le verbe nde qui veut dire dire. Pour les mbi po. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ils nous ont dit. Bravo! Pour les mbipa, ils nous ont dit. Par, ha. Ha, c'est le verbe ha qui veut dire donner, comme déjà dit. Pa-ha-mbi-pe. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons donné à vous. En bon français, on dira oui, nous vous avons donné. Bravo! Évoluons. Nge, sié. Le verbe sié. C'est nsié qui veut dire indiquer. Nge sié mbipo. Nsié peut vouloir dire indiquer ou annoncer. Alors, dans ce contexte, nge sié mbipo. Je leur ai indiqué. Ça peut aussi vouloir dire je leur ai annoncé. Bravo! Alors, reprenons encore les pronoms personnels compléments d'objets indirects sont mbua, mbuo. Répétez après moi s'il vous plaît. Mbui, mbipo, mbipe, mbipo. Bravo! Pour moi, tu me vois. Je paye un boba et un gassiné et un boubé. Si je suis né pour un top plus jeune, ça le fera que nous n'y sommes pas là. Pascal en fait, vous fouillez de mon cas. Un deuxième chien, mon colo, maman. Pascal en fait, vous fouillez de mon cas. Un deuxième chien, mon caïtoum. Oye, mon gomme, j'ai au gym. Pascal en fait. J'ai mon gomme, j'ai au gym. Pascal en fait. Pour la voix que l'on est sur moi. Pascal en fait. Je suis un peu plus de temps.